Est-ce qu'il t'est déjà arrivé, par exemple, de vouloir investir et tu es parti voir ton conseiller bancaire? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé, par exemple, de vouloir faire certains placements, de vouloir créer un compte, de vouloir multiplier ton argent et tu es parti voir ton conseiller bancaire? Alors, dans notre société, on a souvent beaucoup de personnes, beaucoup d'individus qui croient en leur conseiller bancaire. Je ne dis pas que le conseiller bancaire est mauvais, mais je vais te donner quelques arguments pour lesquels est-ce que il y a certaines transactions que tu ne devras absolument pas faire avec ton conseiller bancaire. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo. À tout de suite. Salut et bienvenue dans cette vidéo. Ici c'est Lofogus et aujourd'hui je vais exactement parler des bons et des mauvais conseillers bancaires. Alors, ça fait aujourd'hui, je peux dire un jour que j'étais en train de causer avec un ami et il me parlait justement de ce qu'on appelle en Allemagne les Finanzberater. Les Finanzberater, c'est les conseillers bancaires. Entre guillemets, ce sont des gens qui sont là pour conseiller leurs clients. Alors, la première chose en fait que je trouve souvent un peu lamentable, c'est si par exemple tu aimerais te développer financièrement, si tu aimerais atteindre certains objectifs. Je prends un exemple précis. Si tu as déjà un mindset business, si tu as déjà une façon de réfléchir investissement, tu es prêt à prendre certains risques, tu es prêt à investir 10 000, 20 000, 30 000, 50, 100 000 euros, peu importe, tu es prêt à investir dans l'immobilier. Et tu vas voir ton conseiller bancaire qui, lui, est un salarié, quelqu'un qui n'a même pas le goût du risque, quelqu'un qui ne connaît même pas comment est-ce qu'on peut faire pour investir 500 euros, qui n'est même pas prêt à perdre 100 euros dans un business. Si tu vas le voir, par exemple, est-ce que tu penses réellement que celui-là va te donner des conseils sur comment est-ce que tu peux faire pour t'enrichir? Si tu parles voir par exemple, est-ce que tu penses que celui-là va te dire que crée une entreprise dans l'immobilier, achète des biens immobiliers, fais une formation à la bourse, développe-toi? Est-ce que tu penses que vraiment celui-là va te dire que crée une entreprise normalement, t'es un business ainsi de suite? Non. Le conseiller banquier ou les conseillers banquiers en général, ce sont des employés de la banque. Dans la banque, le Kachika, c'est celui qui a créé la banque. Ça, il faut que tu mettes ça absolument dans ta tête. Alors, il y a beaucoup de jeunes avec lesquels j'ai eu à causer comme ça. Et certains m'ont fait croire en fait que voilà, ils sont partis voir leur conseiller banquier. Et leur conseiller banquier leur a dit, OK, bon voilà, crée un compte précis dans une banque et puis investis 100 euros chaque mois dans un fonds. Ça peut être pour la retraite, ça peut être pour n'importe quoi. Ça, c'est la pire des erreurs qu'on peut commettre. Alors, je pense que premièrement, avant de partir voir un conseiller banquier, pour qu'il te recommande un produit d'investissement, pour qu'il te donne un conseil sur ta situation financière, la première chose que tu devras absolument faire, c'est d'écrire tous tes objectifs financiers. C'est recommander et conseiller dans plusieurs livres. Avant de partir à la banque, avant de partir dire OK, j'aimerais avoir un conseil, tu dois déjà toi-même savoir ce que tu veux. Si ton rêve, c'est d'avoir peut-être 1 million, 2 millions d'euros, si ton rêve, c'est de vivre dans l'abondance dans les prochains 10-15 ans, et tu vas voir quelqu'un qui, lui, son rêve, par exemple, c'est de toucher 3 000 euros par mois et puis d'aller en retraite, est-ce qu'il peut réellement te conseiller? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans la même dynamique d'esprit que toi, parce qu'il n'est pas dans le... Il n'a pas le même mindset que toi. C'est la raison pour laquelle on dit en développement personnel, il est important d'avoir des mentors, il est important d'avoir des gens qui sont déjà où tu es ou qui sont un peu plus supérieurs à toi et qui vont bien sûr te coacher, t'encadrer, afin que tu puisses te développer. C'est la même chose qui se passe quand un enfant arrive en Allemagne, entre guillemets, bon, mais quand un jeune arrive en Allemagne, qu'est-ce qu'il fait? Même en Europe, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive dans une communauté de personnes qui sont déjà supérieures à lui, son grand frère qui est déjà ingénieur, et ainsi de suite. Et parce que son grand frère ingénieur, il est dans le territoire depuis 10, 15, 20 ans, son grand frère peut exactement, avec son expérience, ses erreurs, ses succès, il peut l'orienter. C'est ça le but du coaching. C'est que ceux qui sont un peu plus grands puissent donner des conseils à ceux qui sont plus petits, afin qu'ils puissent se développer. Et c'est la même chose si tu vas avoir un conseiller bancaire. Si tu vas avoir un conseiller bancaire qui, lui-même, dans son compte bancaire, n'a pas 10 euros, comment est-ce qu'il va te conseiller réellement de te développer? Je ne sais pas si c'est possible. Et le deuxième point, en fait, c'est de trouver n'importe qui sur Internet qui dit il est conseiller banquier, il est conseiller financier, il peut t'aider à ranger tes finances, ainsi de suite. C'est possible que ça existe, mais d'après mon expérience, je me suis frotté à plusieurs conseillers banquiers comme ça, là, que j'ai moi-même détecté, en fait, sur Zinc. On a pris des rendez-vous, on a échangé, et à partir de près de 20 interviews, près de 20 échanges avec ces différents conseillers banquiers, j'ai pu moi-même filtrer ceux-là qui avaient un mindset qui correspondait au mien et qui pouvaient réellement m'aider à atteindre mes objectifs,
sur les prochains 10, 15, 20 ans. C'est la raison pour laquelle, au final, j'ai décidé en fait de choisir deux ou trois avec lesquels aujourd'hui, avec lesquels est-ce que je travaille aujourd'hui. Et c'est la même chose pour toi. Tu ne vas pas tomber sur le premier conseiller banquier. Il y a quelqu'un qui va te dire, OK, je suis conseiller banquier, je peux t'aider à faire ceci, je peux t'aider à faire cela. Tout le monde peut le faire. Même toi-même qui écoutes cette vidéo, tu peux devenir conseiller banquier du jour au lendemain. Les formations pour devenir conseiller banquier, c'est 6 mois, 1 an, c'est sur Internet, tu deviens conseiller banquier. Mais est-ce que tu auras la technique, est-ce que tu auras la spiritualité, est-ce que tu auras justement le mindset business, le mindset investissement qui va permettre à ton client, celui-là qui vient, de se développer et de l'amener exactement au niveau où tu veux. Donc, je causais dernièrement avec un Camerounais, il m'a dit il a vu un conseiller banquier pour regarder ses documents dans un programme qu'il est en train de développer. Je lui ai dit, quand j'écoute toujours le mot conseiller banquier ou bien finance berater, ou conseiller financier, ça me fait toujours un peu rire parce que si tu as des gros rêves et que tu vas voir quelqu'un qui a des petits rêves parce qu'il a simplement un titre académique de te conseiller, je suis désolé, je ne pense pas qu'il sera vraiment la bonne personne qui aura les aptitudes, les qualités et tout ce dont tu as besoin pour atteindre ton objectif. Je te prends un exemple très simple. Moi, je travaille comme vendeur dans le secteur de l'immobilier et j'ai près de 2 mentors qui m'aident exactement dans ce secteur. Mon prochain objectif, par exemple, c'est de créer une société immobilière et à partir de cette société immobilière, de pouvoir me développer. Alors, je connais exactement comment ça fonctionne parce que j'ai un mentor qui m'encadre dans ce secteur et j'ai un autre mentor qui me donne encore d'autres conseils. Je ne vais pas aller voir un conseiller banquier et lui dire, bon, ok, voilà, j'aimerais faire ceci, qu'est-ce que tu peux faire? C'est clair qu'il n'est pas dans ça, il n'a jamais créé une entreprise immobilière, il ne sait pas ce que c'est, il ne connaît pas quels sont les risques, il ne connaît pas comment optimiser les impôts dans ce business, il ne connaît pas comment est-ce que je peux utiliser l'effet de levier dans ce type de business. Donc, ce qui fait qu'il ne peut pas me conseiller dans ce secteur. Dès que je trouve un bien immobilier et que je veux l'acheter, je vais le voir, on négocie le crédit et tout, et puis c'est fini. Mais la stratégie maintenant que j'aimerais développer pour grandir sur le long terme, ce n'est pas avec lui que je travaille cette stratégie, je travaille cette stratégie avec quelqu'un qui est déjà passé par là et qui a des résultats concrets. C'est exactement de ça en fait qu'il est question. Donc, fais vraiment attention aux conseillers banquiers parce qu'il y a beaucoup de conseillers financiers dehors, que ce soit, je parle beaucoup plus de l'Allemagne, je ne suis pas en France, mais je pense que c'est la même chose dans tous les pays. Il y a beaucoup de conseillers financiers, des gens qui se lèvent un matin et se disent « Ok, je peux te conseiller en finance, je peux faire ceci en finance avec toi, c'est monté, c'est descendu. » Moi, je peux te garantir, si tu lis aujourd'hui 25 livres sur la finance, si tu fais 4 séminaires ou 10 séminaires en ce qui concerne le secteur financier, tu n'as pas besoin d'un conseiller financier d'ailleurs. Tu n'as pas besoin. Tu fais une bonne formation à la bourse, tu fais une deuxième, après tu commences à faire tes propres placements. Au bout de 1 an, quand tu vas comprendre comment ça fonctionne, au bout de 2 ans, tu n'auras pas besoin d'un conseiller financier. Le deuxième point maintenant, c'est si tu connais exactement quels sont tous tes objectifs. Où est-ce que tu aimerais mener ta vie dans 5 ans? Où est-ce que tu aimerais mener ta vie dans 10 ans, dans 25 ans et ainsi de suite? Dès que tu as défini tous ces objectifs et que tu connais exactement combien ça va te coûter, il te sera facile de déterminer si un conseiller banquier peut vraiment t'aider ou pas. Parce que si tu ne connais pas tes objectifs, n'importe qui va te dire, bon, ok, voilà, épargne 200 euros ici pour ta retraite par mois pour je ne sais pas trop quoi. Mais en fait, ce n'est pas de l'investissement, c'est la banque qui est en train de s'enrichir. Et c'est justement parce que tu ne sais pas où tu vas qu'on peut t'utiliser et qu'on peut bien sûr prendre le fruit de ton effort, ton travail, ton salaire ou tes épargnes pour faire de je ne sais n'importe quoi. Alors moi, je suis un trader et je sais exactement ce que les banques font avec l'épargne que les personnes ignorantes placent bien sûr dans des comptes en banque. Les banques prennent cet argent, il y a un département en banque, un département de trading, et dans ce département, bien sûr, on place l'argent en bourse sans te demander, on te garantit peut-être 6% par an, après peut-être 10 ans ou je ne sais pas combien d'années. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est réellement le cas, si tu aimerais avoir davantage de nouvelles vidéos de ce style, alors abonne-toi dans ma chaîne YouTube, active la cloche de notification, n'oublie pas, laisse-moi bien sûr un pouce en l'air. Alors, qu'est-ce que tu en penses des conseillers banquiers? Est-ce que tu as déjà eu certaines expériences avec des conseillers banquiers et comment est-ce que l'expérience là était? Laisse-moi bien sûr tes commentaires dans la barre de description. C'était le Focus en ensemble. Bye bye.